Coucou les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Je vous propose dans cette vidéo des brochettes de bœuf à réaliser quand on ne possède pas de barbecue. Du coup, nous allons pré-cuire la viande avant la réalisation des brochettes. Pour la cuisson de la viande, il nous faut 400 g de viande de bœuf coupée en dés, demi-cuillère à café d'ail, 3 g de gingembre, demi-cuillère à café de poivre noir, une feuille de laurier, 4 clous de girofle appelés en langue fond du Bénin, Atikengbarota, du sel et de l'eau. Mettre la viande dans une casserole. Ajouter le gingembre, la moitié de l'ail, la moitié du poivre noir, la feuille de laurier et les clous de girofle. Saler. Recouvrir l'ensemble d'eau. Remuer et couvrir la casserole. La porter sur feu moyen jusqu'à la cuisson de la viande. Réserver la viande dès qu'elle est bien tendre. Voici les ingrédients de la marinade. Une cuillère à soupe de tomates grossièrement écrasées. Le reste de l'ail utilisé, c'est-à-dire à peu près 2 g. 2 g de poivre noir, le reste également. 2 g de graines de coriandre écrasées. Une cuillère à soupe de miel. Du sel. Une cuillère à soupe d'huile de friture. Quelques échalotes. Une cuillerée à café de moutarde à l'ancienne. Puis quelques tomates, piments et poivrons à découper. Alors dans un récipient, mélangez tous les ingrédients, sauf les tomates fraîches, les échalotes, les piments verts et le poivron. Vous pouvez remplacer la moutarde à l'ancienne par la moutarde de Dijon. Retirez les clous de girofle et ajoutez la viande à la marinade. Ajoutez de l'eau dans la casserole et récupérez le bouillon. Couvrir de papier film et laisser macérer 1 à 2 heures de temps au frais. Pendant ce temps, taillez la moitié du poivron en cubes ainsi que les tomates fraîches. Deux heures de temps plus tard, mélangez les légumes à la viande. Alternez viande et légumes sur des broches.
Vous pouvez mettre à chaque fois deux viandes, un légume, ainsi de suite. Ou alors viande et légumes à chaque fois. Grillez sur la braise 3 à 5 minutes de chaque côté sur une grille bien huilée. Badigeonnez avec le reste de la marinade. Servir avec un accompagnement au choix. Bon appétit! Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Prenez soin de vous. À bientôt!